Mix, c'est l'aventure qui a commencé en 2007. C'est vraiment une bande d'amis à la base, on avait fait les qualifs. Et on a réussi à se qualifier au dernier match des qualifications pour pouvoir arriver au Cap. Depuis, on est toujours là, ça fait 10 ans qu'on est là maintenant et on a réussi à gravir les échelons petit à petit. On a gagné en 2014. Donc voilà, maintenant on est une équipe référencée au Cap. Le K54, c'est tout simplement l'un des meilleurs tournois street. Pas seulement en France, mais dans le monde, je pense, parce que c'est un tournoi international. Tous les ans, il y a des équipes internationales qui viennent, que ce soit des équipes anglaises, japonaises, ils sont pas là cette année, mais ils étaient là les années précédentes. Japon, Allemagne, etc. Et ouais, pour nous, c'est toujours un plaisir de participer à cet événement, parce que y a de la compétition, c'est un gros tournoi. Tous les ans, c'est pareil, c'est du streetball, c'est l'ambiance, c'est la famille, voilà. Quand on vient au quai, on vient avec. On revient vers les bases, tu vois. On revient, c'est lorsqu'on a commencé, on a tous commencé par le bitume. Il y en a qui ont eu des carrières exceptionnelles, voilà, mais on revient toujours à nos valeurs, tu sais, toujours le bitume et ça. Le quai, je pense, c'est l'un des meilleurs tournois en Europe, je crois, si je me trompe pas. 1, 2, 3, roule. On va passer bien.
on donne en bas aussi directement ici. 1, 2, 3, on fait. On encaisse plus de points. La journée d'aujourd'hui s'est pas passée comme on l'aurait voulu. Défaite en demi-finale contre la Fusion. Et la plus grosse défaite pour le coup du K54. Voilà, ça fait un peu mal, mais bon, on apprend toujours et on fera en sorte de revenir plus fort et de revenir pour gagner le quai. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. On se souvient que des vainqueurs et pas des seconds. Woodmix qui est Woodmix 2.0, Bishop Woodmix, voilà Woodmix, tout simplement là depuis le départ comme je disais, avec mes acolytes Smile, Damien Jean-Joseph, Mike Tocci aka Coach, Abguebara Kaou, Ralph Temboa, Samir Megdad, Max Viré, enfin bref toute l'équipe, voilà que dire, on a parcouru du chemin. On est parti, voilà, des qualifs. On a fait ce qu'il fallait justement pour nous implanter durablement dans le K54 et figurer comme l'une des grosses équipes françaises.